Oui, énorme, magnifique, bravo. Voilà, je l'ai eu enfin. Bonjour et bienvenue sur System Hero. Je vous rejoins sur Jotun, épisode 6, il me semble. Je viens juste de battre ce fameux boss que je vous ai promis de battre il y a longtemps. Il y a longtemps maintenant, il y a une semaine. Donc nous continuons l'aventure après ça. Tók ég við réttmættu hlutverki mínu í stað föður míns. Ásamt áhöfn minni sildi ég höfin og við héldum áfram að færa ættbálk okkar velmegun. Lífið gekk sinn vanagang þar til rán, gyðja sjávarins, leysti ógnar kraft sinn úr viðjum gegn okkur, sökti skipi okkar og myrti okkur öll. Ég sá alltaf fyrir mér að ég myndi láta lífið í bardaga. Erði síðan boðin velkominn til Valhallar af Valkyrjum Óðins. Í dauða mínum hefur mér verið gefið annað tækifæri. Í Ginnungagapi hef ég sigrað í jötnana. Ég mun yfirbuga síðasta óvinnin og sanna mig enn og aftur. Ég heiti Þóra og ég mun ekki missa móðin frammi fyrir tröllvöxnum óvinnum mínum. Ég mun endurheimta heiður minn. Ég mun ávinna mér hylli goðana. Et hey, t'auras bien ce que tu mérites, voilà. Ça, c'était la blague de l'ultra-jour, on va dire. Voilà, la blague du beauf, ça c'est fait, on peut le signer. Tac. Donc, on continue, on va vers cette nouvelle zone qu'on ne connaît pas du tout. J'en ai chié, putain, pour faire ce boss de merde, mais c'est pas grave. Il y a une, deux, la grosse zone, ça fait trois zones. Potentiellement des pommes, potentiellement du business. Putain, j'ai quand même mis 20 minutes à essayer de battre ce boss. Bordel. Ou pour aujourd'hui, puisque j'ai fait deux tries durant la semaine en essayant de l'avoir. Je ferai bien sûr une ellipse. Là, vous n'aurez pas vu que j'ai fait 20 minutes sur cet épisode. Getinn af Ginnungagapi. Líkami hans myndar jörðina. D'accord. Donc vous n'avez pas vu les 20 minutes. Je ferai sûrement une ellipse. Oups, c'est pas ça qu'il faut faire. Non? Ça peut-être. Oui, d'accord, ok. Ça c'est du super gameplay. Donc vous ne verrez sûrement pas le où j'en suis. Enfin ce que j'ai fait comme combat. Un combat très très chiant, un combat très très lourd, où je ne parle pas, où je suis concentré, où j'essaye de pas me faire tuer. D'ailleurs, vous avez vu comment j'ai jubilé quand je l'ai eu. Donc ça, vous l'aurez bien sûr. Vous n'aurez pas mes multiples fails, d'accord, comme celui-là. Vous n'aurez pas mes multiples fails. Vous aurez que du bon et de la bonne humeur. Waouh, c'est Í bien ça. upphafi var tóm, ginnungagap. Að því uxu tveir heimar, Múspelsheimur og Niflheimur. Óratími leið þar til þeir snertust og af snertingu þeirra myndaðist Ýmir, fyrsti þursinn. D'accord. Je suis absolument pas au fait de la culture nordique. Hein, de toute façon, on n'est pas là pour faire ça. On est là pour s'amuser. Et c'est ce qu'on fait. What? Donc ça, c'est le premier. Ah, d'accord. Donc là, va falloir que je trouve toutes les runes qui vont nous expliquer. Le pourquoi du comment et le commencement de l'univers de la vie de tout ça. Et... Très belle musique. C'est quoi? C'est une pomme qu'on entend? J'ai l'impression. Hein. Moi j'entends une pomme. Un truc dans le genre. Non? J'entends ça brille. Il y a des bips et des flashs. Ça brille. Il y a quelque part, ça brille.
Mais ça, c'est une bouche, c'est des dents. Ah, j'ai vu un semblant de sort, quelque chose à l'intérieur. Ah, c'est la rune, je suppose. Ça doit être la rune, d'accord. Mais c'est des dents, ça. C'est une mâchoire. Bon, alors. D'accord. On va prendre le truc. Donc là, ça doit être la rune qui est là. On va voir. Ouais, c'est la rune. Parfait. Là, à côté, il y a un sort. D'accord, c'est pas... D'accord, on va y arriver. On va dire, ça fait 3 minutes, on va dire à peu près 4 minutes, 5 minutes, on va dire. 5 minutes que j'ai repris le truc. On va faire un truc court. Bon, si on n'arrive pas à la fin de l'épisode, de toute façon, à trouver quoi que ce soit, c'est pas grave, hein, on continuera. Je ferai un autre épisode exprès. Ce n'est point grave. Je veux pas faire des épisodes trop longs parce qu'après je mets 15 ans à les envoyer sur YouTube. C'est un petit peu chiant. Mais qu'est-ce que c'est? Á meðan í mér svaf, storknuðu efnin sem mynduðu líkama hans. Hann hóf að svitna og gaf af sér hrimþursana. D'accord. Ok. Continue. Donc là, j'ai eu une rune. Ah, les traits, ça doit être les... Ça doit être ça, là, les... Ça doit être les... Les bateaux. Les bateaux correspondent aux traits. Donc, tac, tac, moi je suis là. Là, faut que j'aille là. Et je remonte. Non, ça c'est idiot. Tac, tac, là il doit y avoir un passage, je dois pouvoir aller là comme ça. Là, il y a une rune par là. Donc, c'est ce que j'expliquais dans l'épisode 4. Alors que personne ne m'entendait, malheureusement. J'expliquais que pour s'y repérer dans le jeu, c'était plus pratique de claquer la souris sur la carte. Comme ça, on pouvait mieux se voir. En fait, ça faisait quand on voit où on en est, à peu près. Donc là, j'ai fait un gros truc. J'ai fait un gros truc. Je suppose, tac, tac, que ça, je suis arrivé là. Je vais essayer de faire ça comme ça, tac, tac, et remonter là pour voir le sort. On va voir. Bah, ça risque d'être pas cool, hein, c'est... Voilà. Alors, on continue. Allez, allez. Aïe. Allez, allez, allez. Ah, c'est passé, nickel. C'est passé, et je pense que c'est ça, hein, ça a l'air d'être bien ça. Maintenant, je voudrais voir... Oui, c'est ça, c'est parfait. C'est bon ça. C'est bon ça. Voilà. Là on entend de la musique. C'est un sort, c'est qui, c'est quoi? Ah! Ça c'est un nouveau sort. On l'a pas sûr. Ah non, c'est le sort de rapidité. D'accord. Et d'accord. Ok, très bien. Très bien, donc là, du coup, on a eu ce sort là, tac tac, on redescend là. On repasse, faut qu'on repasse là-haut. D'accord. Donc on va repasser là-haut. C'est pas un nouveau sort. J'ai cru que c'était un nouveau sort, mais ça n'en est pas un. On se fait toucher, mais c'est pas grave, on n'a pas de boss à affronter ici. On va essayer d'avancer un peu plus vite, sinon c'est un peu saoulant. Oh, il y a des trucs là. Est-ce que... Aïe. Aha! Je peux passer par là. Ça faut aussi que je trouve la pomme d'or. C'est pas intéressant sinon. Si on essaye de faire tout bien comme il faut. Aïe!
Je suis bien évidemment sur PC, ça facilite les enregistrements. Aïe! Bon, je ne me suis même pas renseigné s'il était sur d'autres consoles. Et je considère, oui, le PC comme une console à part entière, même si c'est bien mieux. Langt frá ími myndaðist kýrin auðhumla. Auðhumla sem var sköpuð úr hreinleika og var sleikja ísin sem hún stóð á. Að þremur dögum liðnum var hún búin að afhjúpa líkama búra, föður goðana. Finalement, c'est pas loin de la culture grecque avec leurs titans et leurs dieux. Je suis ici. Ah bah je peux faire ça comme ça. Et très bien. Et très bien, j'ai peut-être pas obligé de faire tout le tour comme ça. On va faire tac et on va revenir comme ça, tranquille. Là, il doit y avoir quelque chose d'important. On va essayer de faire. Donc il faut que je trouve plus que j'ai trouvé le sort. Donc il faut trouver. Je vais réussir à le faire. Il va falloir que je trouve juste la pomme d'or, vu que j'ai déjà le sort. Ça serait plutôt pas mal. Donc là, il n'y a rien. Tac, tac, tac. C'est bien ça. Oui, il n'y a rien. Tac, tac. Oui, monsieur. Oui, non. Oui, aïe. Ça pique les pieds! Mais ils sont rapides! Ils sont rapides ceux-là! Ils sont rapides! Ils sont super rapides! Aïe! Je le sens mal! C'est bon, ça passe! C'est bon, ça passe! Nickel! Alors, ça, franchement, c'était pas nécessaire. Ils auraient pu mettre un morceau de bois. Très bien, très bien, très bien. Hop. On avance, on avance. Aïe! Oui! Bonjour. Búri gat soninn Bor sem giftist Bestlu. Saman eignust þau þrjá syni. Vilja, Ve og Óðin. Þeir sem fæddir voru af ís og eldi höfðu góða náttúru. Á meðan þeir sem fæddir voru af skemmdum efnum báru myrkur í hjarta sér. D'accord, mais il a trouvé où sa femme? Enfin, oui. D'accord, c'est pas grave. Très bien. Où est-ce que je suis? Où est-ce que je suis? Je suis par là, d'accord. Alors, ici. Ici, il doit y avoir quelque chose. Ils nous disent d'aller par là. Donc, nous, on va faire ça. On va essayer de trouver quelque chose. Là. Et là, faudrait y penser aussi. Tac, 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 tac. Où est-ce que je vais? Mais. What the fuck? Moi, c'est là-bas que je vais aller. What? Attends, je suis bien ici. Je devrais pouvoir passer là. À moins que ça soit là. Bon. On va s'y retrouver, on va s'y retrouver. Ok. Je vois où je suis, à peu près. Je vois où je suis, à peu près. Mais. Ah! Normalement, là, il devrait y avoir quelque chose. D'accord, ça nous montre juste que l'arbre est là. Donc, donc du coup, j'ai raté l'arbre. J'ai raté l'arbre. Zut! Faut que je retourne là où j'étais. L'arbre était à côté de la rune. D'accord. Oh, bordel. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Voilà, on y retourne. Allez, s'il te plaît. Voilà. Pas le temps. J'ai pas le temps, ta gueule. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps, j'ai dit. Voilà, là il y a la rune. Très bien.
Du coup, on s'est laissé berner par la taille du truc. Voilà, hop, on casse ça. Alors, le sort de rapidité, si on pouvait l'avoir en permanence, ça serait tellement bien. Voilà. On croque la vie à pleines dents, très bien. Deuxième vanne de merde. On continue. Non, c'est pas par là. J'ai plus de sort de rapidité, j'ai fait le kéké. C'est pas grave. C'est pas grave. Petit coup de vie, ça fait du bien aussi. Ah ouais, mais faut que je fasse gaffe à ça. Faut que je fasse gaffe parce que après je vais aller dans la zone machin. Tac, 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 tac. Et on me dit dans l'oreillette qu'il nous reste que 2 minutes. 2 minutes avant de finir. Ça va pas être possible, ça, monsieur. Ça va pas être possible. Donc, ce que je vais faire, c'est que là qu'on a trouvé le sort et la petite pomme, vous avez vu où elle était, où elles étaient. Je vais mettre fin à cet épisode number 6. Cet épisode numéro 6. Je vous fais plein de bisous. Je vous retrouve dans l'épisode 7 que je vais tourner tout de suite après. Et donc, si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne pour en voir plus encore. Je vais bientôt finir ce jeu, donc commencer un autre let's play d'un autre jeu dont je ne vous révèle pas le titre. Vous verrez bien, ça sera une petite surprise. Et je vais faire d'autres vidéos en parallèle pour avec un peu de gameplay, un peu de trucs de présentation. On verra bien. Je vais me démerder pour faire ça. Je vous fais de gros bisous. Faites-moi un petit commentaire pour savoir ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé, pour m'améliorer. Un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et je vous embrasse tous. Je vous aime. À très bientôt dans Jotun.